Où est-ce que tu vas? Je vais acheter quelque chose là. Tu vas acheter quelque chose et te vois en train de bouder comme si tu étais des propriétaires d'école. Quand moi je parle, tu n'as pas le droit de parler. Où sont tes sandales? C'est resté là-bas. J'en ai marre de ce boulot. Va vite acheter ce que tu veux et reviens immédiatement. Et mets tes sandales, oh! Ah! On dirait un papa. Hey! Hey, donnez-moi vite vos mains. Reviens ici. Elle est où ta cravate? C'est dans mon sac. Dans ton sac? Regarde-toi. Tu ne sais même pas mettre une simple cravate. Vous les étudiants villageois là, je suis vraiment fatigué de vous. Mets tes sandales et mets rapidement ta cravate. Et entre tout de suite. Entre vite en classe avant que je te frappe là tout de suite. J'en ai marre de... Retard. 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 Hey, vous deux là-bas, si je vous surprends encore là-bas, je ferai descendre l'enfer sur vous. Entrez vite dans vos classes. Hey, tu as vu cette femme-là? Celle-là. Elle est mentalement malade. Mentalement malade, oh? Elle est ingérable. Oh! Il faut que tu viennes en ville avec moi. Je ne suis pas ici pour des plaisanteries. Si tu me regardes bien, tu verras que je suis vraiment très sérieux. Annabelle, pour la dernière fois, entre dans cette voiture. N'ose pas me toucher, oh. N'ose pas me toucher. Je t'ai dit que ce mariage a pris fin. C'est fini entre nous. Je n'irai pas avec toi. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. C'est à moi de décider que le mariage est fini ou pas. Le mariage est par force. Entre dans cette voiture. Je n'entrerai pas. Annabelle, j'ai dit entre dans cette voiture. Je n'irai pas avec toi. Ne me pousse pas à te faire mal. Je refuse, je te dis, hein. Tu es un ritualiste. Je ne partirai pas avec toi. C'est fini entre nous. Annabelle! Est-ce qu'on force le mariage? Laisse-moi tranquille! Tu viens de dire que je suis un ritualiste, Annabelle! C'est ce que tu es! Bouliakoubou! C'est toi-même! Tu m'appelles ritualiste! C'est ce que tu es! Maintenant, écoute-moi très bien! Si tu n'entres pas dans cette voiture maintenant et me suis en ville, je te transformerai en un petit jouet! Tu ne vas rien faire! Je vais te transformer en un petit jouet! Tu ne feras rien! Téléphone. Ne me provoque pas! Ne me provoque tu pas! Tu ne vas rien faire! Tu vas rien faire! Bouliakoubou. Au nom de Jésus-Christ! Feu du Saint-Esprit! Oh! Feu du Saint-Esprit! Oui! Tu ne sauras pas m'envoûter! Tu vas t'envoûter toi-même, hein, ainsi que ta famille! Ma tête est très dure! Tu ne seras pas! Tu ne mourras pas! Franchement, je te dis, oh! Oui! Ce n'est pas encore la fin. Je veux revenir ici pour toi. Non. Laisse-moi aller bien me préparer et revenir ici en force. Bouliakoubou. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit va te confondre. Tu ne mourras pas. Ici, chez mon père, tu ne seras pas. Tu seras confondu. Hey, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Tu ne mourras pas du tout. Chez mon père ici, tu ne tueras pas ma tendre. Pas du tout. Espèce de sorcier ritualiste. Elle est enfin de retour. J'aurais tout vu avec ça. Non. À l'air. Je suis très contente. Contente. Arrêtez, réfléchis. Si cet enfant n'était pas entré à l'école aujourd'hui, hein? Arrêtez, réfléchis. C'était sûr que cette maison n'allait pas nous contenir. Mm-hmm. Les liens qui lient toutes les deux est incassable. Elles sont tellement inséparables. Miracle est une fille très brillante et intelligente. Hein? J'ai béni Dieu pour tout. Dieu est bon, sachant comment faire les choses. Cet homme, hein, ne sera pas impuni. Dieu est juste. Amen, oh, ils ne resteront pas impunis. À la voir, tu auras peut-être l'impression qu'elle va bien, mais... seul Dieu connaît.
J'ai tellement vécu avec des gens qui ont fait des dépressions dans ma lignée. Ma fille n'était pas comme ça. Elle a soudainement changé à une autre personne. Oh, que Dieu m'aide. Dieu juste de haut. Donne-moi l'argent. Quel argent? Tu me donneras cet argent. Quel argent veux-tu que je te donne? Que je te donne de l'argent pour aller à l'école, n'est-ce pas? Pour aller à l'école. Chaque fois que tu viens prendre de l'argent chez moi me disant que tu es à l'école. Mais tu ne peux même pas. Attends, Caro. Caro, es-tu sûr que tu es à l'école? Parce que je ne parle pas comme quelqu'un qui est à l'université. Tu ne parles pas comme ces jeunes filles que je vois qui sont à l'université, Caro. Laisse-moi te dire. Tu peux te mettre à crier du matin au soir. Tu vois cet argent? Tu me le donneras. Tu m'as vu aller à l'école. N'est-ce pas que j'étais ici avec toi à cause de cet argent? Agbero, laisse-moi culotte. Laisse-moi culotte. Ce que tu fais là, tu es en train d'agir comme Agbero. Laisse cette culotte. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton grand frère. Laisse cette culotte maintenant. Aujourd'hui, tu sauras ce que je suis capable de te faire. Si tu ne me donnes pas cet argent, Caro, je ne te laisserai pas. Je vais te battre. Bats-moi. Je suis ton grand frère. Bats-moi, non? Je suis ton grand frère et aussi ton bienfaiteur qui finance tes études. Et tu as le courage de... Grand frère, mon œil, un grand frère qui ne sait pas subvenir à mes besoins. Oui, c'est ce que je dis. Un grand frère irresponsable que tu es, tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Agbero, tu connais ces gens qui cherchent des véhicules à Onitsha. Agbero, c'est Agbero que tu es, non? Caro, ok, oui, c'est Agbero que tu es, non? Caro, reviens ici, reviens, Caro. Non? Reviens, tu fais pourquoi? Je crois que tu ne me connais pas assez. C'est moi que tu qualifies ainsi. Tu m'insultes, tu ne connais pas Caro, hein? Si tu ne me donnes pas cet argent, ok, y a pas de problème, je n'irai plus à l'école, mais toi. Sache que tu n'entreras plus dans cette maison. Ne me provoque pas. Ok, on verra. J'ai t'aurai. Je suis là. Je t'attends. Reviens ici. Miracle, tu vas bien? C'est quoi le problème? J'attends ma mère. Ah, elle n'est pas encore là? Non, pas du tout. Ça, c'est inhabituel. Ok, laisse-moi te raccompagner. Non, je vais l'attendre. Tu es restée toute seule? Il n'y a plus personne à l'école? Je vais toujours l'attendre. Es-tu sûre que ça va aller? Oui, je le saurai. Ok, si tu le dis, il n'y a pas de problème. Okay. Bye. Thank you.
Désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es en retard? Dormir. Tu dormais? Désolée. C'est bon, je te pardonne. Mais ne le refais plus jamais. Désolée. C'est bon. Désolée. Il n'y a plus personne là-bas. Tout le monde est parti. Désolée. Ok. Arrête de jouer avec moi. Je sais que ta fille est là à l'intérieur. Et je sais qu'elle peut très bien m'entendre. Dis-lui de sortir ici pacifiquement pour que nous allions à la maison. Mélodie, mon fils, s'il te plaît, calme-toi. Juste calme-toi. Je l'avais bien dit. Boulakoubou ne me ment jamais. Tu ne vas plus fuir? Maman, pourquoi est-ce que tu les supplies? Ne t'ai-je pas déjà dit que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu mens! Tu fais quoi? Tu mens! Quand je venais ici paisiblement, vous ne disiez pas que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun, non! Quand vous me demandiez de vous acheter des choses qui coûtaient 50, 61 000, 75 000, j'achetais tout ce que vous vouliez. Maintenant, vous me parlez, vous me dites que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Vous blaguez avec moi. Maintenant, écoutez-moi très bien. Tu me dois. Et la seule manière dont je vais te laisser partir est que tu me suives calmement à la maison. Ne me laisse pas perdre ma licence de tonnerre. Et je pour te ça, je mets ma tête à couper. Je te dis. Je répète, ne me laisse pas perdre ma licence de tonnerre ou l'arc-boute te frappera. Hey, mon fils, comment peux-tu dire des choses pareilles, hein? C'est pas bien. Tu n'es pas épargné, oh? Ah non, bien sûr que non. Mon patron, ton autre groupe t'apprécie beaucoup. Et hey, oui, impossible. Nous avons même planifié. La seule différence, c'est que ta fille sera prise le vendredi et toi le samedi. Hey, Jésus, Seigneur. Je te défie au nom de Jésus, toi, esprit méchant. Amen. Dieu n'interdira pas ça. Il est dit, il faut donner à César ce qui est à César. Donnez-moi ce qui m'appartient et je vais vous laisser tranquille. C'est à moi que ta fille là appartient. Je ne t'appartiens pas. Au nom de ta Jésus. Fille ici présente m'appartient. Et cela est nul et sans effet. Je frapperai cette famille. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Tu verras. Je vais revenir. Tu ne reviendras plus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas du tout facile, oh. Passer pour un ritualiste, ce n'est pas facile, oh. Ah, mais tout ce que j'ai dit, cette fille n'a toujours pas peur. Elle ne veut toujours pas me suivre à la maison. Quelle autre méthode je peux utiliser maintenant? Hein? Cette histoire même est lourde. Même Boulakoubou ne lui fait même pas peur du tout. Comment je ferai encore pour amener cette fille à la maison? Je dois trouver une autre solution rapidement. Oh mon Dieu. Hey. Être ritualiste, ce n'est pas facile du tout. Mais ce n'est rien. Je viendrai avec autre chose. Et en ce moment-là, qu'elles me verront venir avec autre chose, elles sauront que je ne plaisante pas. Quel est le Saint-Esprit conçu? Oh mon Dieu. Qui t'est conçu? Hey, ma fille. Je t'avais dit que ce messie est méchant, moi tu m'avais pas cru. Tu vois maintenant? Hey, je n'y croyais pas. Retour à l'expéditaire. Mais mon frère ami, tu veux me dire que Caro t'a chassé avec des bouteilles? Mais pourquoi est-ce qu'il te chasse avec des bouteilles? Mais il est fou. Je sais pas ce que Caro veut de moi. Mais mon Dieu. Je sais pas là où elle est. Ce qu'elle veut de plus de moi, je ne sais pas. Hein? Ou bien elle veut que je me tue pour elle parce qu'elle est ma soeur. Hein, Fadi? Mais mon cher, ne t'en fais pas, tu ne vas pas mourir, hein?
Je vais lui parler si je la vois. Hein? En tout cas, elle doit revoir son cerveau. Elle doit... Je sais pas moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Parlera à qui? Je vais lui parler si je la vois. Tu inculqueras Caro de sens quand tu la vois. Caro est devenue une femme folle. Caro maintenant n'est plus normale. Il fait dire, à l'heure où je te parle, selon mes investigations, Caro prend maintenant du chanvre indien. Igbo? Ah bon? Oui, non? Oh. Caro n'est plus la fille que j'ai connue. Mais depuis quand? Je ne sais pas. À un point donné, elle a refusé d'aller à l'école. Et en essayant de la forcer à aller, c'est maintenant que Caro s'est transformée en bête. Elle ne peut pas oser de faire des bêtises avec moi. Et ça, en tout cas, elle n'arrivera pas. Avec moi, si elle s'aventure, je vais la frapper. Si elle ose avec ses bêtises avec moi, je vais la frapper sans pitié. Mais comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça après tout ce que tu as dû faire pour elle? Frère. Hein? Tu vois maintenant? Tu me vois maintenant? En tout cas, le monde est méchant. Regarde. Salut maman. Annabelle, d'où est-ce que tu viens? Maman, je viens de l'église. L'église? Depuis le matin? Hein? Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Je t'avais dit que la seule solution à ce problème, c'est la prière. Nous avons besoin de Dieu, toi et moi, c'est tout. Annabella, je t'en prie, ma fille. Pourquoi tu n'oublies pas cette affaire avec Mélodie et continue avec ta vie? Je t'en prie, ma fille. Tu dis quoi? Maman, tu es très amusant. Penses-tu toujours que, après 6 ans, je pense toujours à Mélodie? Pourquoi? T'inquiète, très très bientôt, Dieu va l'exposer avec sa méchanceté. Oh, t'inquiète, tu verras bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette fille? Hein? Hey, Dieu, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis prête pour l'école. Donne-moi l'argent que je t'ai demandé. Ah, retourne à l'école, non? Est-ce que je t'empêche de retourner à l'école? Je ne t'empêche pas de retourner à l'école. Mais donne-moi l'argent, je partirai. T'ai-je déjà dit que tu m'empêchais d'aller Caro, à l'école de avant? De quel argent parlais-tu? Hein, Caro? Il paraît que tu deviens folle. Chaque fois que tu quitteras l'école pour venir prendre de l'argent chez moi. Où est-ce que j'aurai encore l'argent? J'ai ouvert une banque ici. Suis-je un directeur de banque pour toi? Hein, Caro? Donc c'est une erreur pour t'avoir envoyé à l'école, n'est-ce pas? Tu penses que tu peux venir ici n'importe quand tu veux pour m'estorquer de l'argent? Respecte-toi toi-même. Respecte ton âge adulte. N'importe quoi. Tu te plains pourquoi? Pourquoi tu te plains, non? Je me rappelle bien que tu avais promis de solder mes frais. Alors que je ne voulais plus me rendre à l'école, tu m'as dit que je dois continuer mes études. Maintenant que je reprends les études, tu vas me compliquer la vie. Je ne reprends plus l'école primaire. Tu n'as même pas fini l'école primaire. Tu n'as même pas fini l'école primaire, Caro. Maintenant que je me suis remise sur le chemin de l'école, okay. Tu ne veux plus prendre tes responsabilités en main. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Tu vois quel problème? C'est une erreur pour t'avoir envoyé à l'école. Hein, Caro? J'ai fait une erreur. Ok, c'est bien. Puisque tu penses que tu ne peux plus continuer cette éducation parce que toutes les charges sont sur moi. Je ne peux plus supporter ça. Donc, tu me dis de laisser tomber, regarde hein? Regarde toi-même, de la tête aux pieds, regarde toi-même. Tu ressembles à quelqu'un qui est à l'école. Tu ressembles à une étudiante. Hein? Je parlais, tu marches du chewing-gum comme une prostituée. Tu marches du chewing-gum devant moi, une étudiante. Regarde tes cheveux. Hein? Regarde le genre de perruque que tu as porté. Tu ressembles à une mascarade. Hein? Caro, j'ai honte de toi. Ouais, j'ai honte de toi. Ouais. N'importe quoi. Tu veux dire que j'ai l'air d'une prostituée? Écoute, ne te moque pas de mes perruques. Ne te moque pas de ma perruque puisque tu ne sauras pas l'acheter. Combien tu l'as acheté? Laisse-moi te dire.
Appelle-moi prostituée comme bon te semble. Sache que tu me donneras cet argent. Je ne partirai pas d'ici main vide. Tes semblables ne sont-elles pas Je ne partirai pas d'ici sans rien à voir. Laisse les étudier, va te marier. Si tu ne me donnes cet argent, personne n'entrera ici. Personne. Personne ne mettra ses pieds ici. Personne n'entrera ici pour acheter quoi que ce soit. Caro, tu m'as entendu. Tu ne me feras rien. Caro, quitte ma boutique. Tu n'as rien à me faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour toi. Je ne pars pas d'ici sans argent. Caro. Tu oses me qualifier de prostituée? Comment oses-tu me qualifier ainsi? Je ne voulais plus d'école. Tu m'as forcé la main. Donne-moi l'argent, tu ne veux pas. Tu me donneras cet argent aujourd'hui. Pas de marché aujourd'hui. Voyons voir celui ou celle qui viendra me défier. On verra bien. Reste là. Hein? Arriver à tout homme dans cette vie, c'est avoir une mauvaise femme. Hein? Une mauvaise femme ou une mauvaise famille. Hein? Mais moi, mon cas, c'est une mauvaise sœur. Mauvaise sœur! Hein? Quel est ce genre de vie inutile? Hein? D'autres gens ont de bonnes familles, de bonnes sœurs, même... En tout cas... Bonjour, monsieur. Je vais acheter du gaz. Tu veux acheter du gaz? Et c'est pour ça que tu veux bloquer le passage? Allez, vite, enlève ça de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais doucement, non? Tu veux acheter du gaz comme si tu allais remplir la bouteille. Combien tu veux que je la remplisse? J'en ai besoin pour 3000. C'est pour ça que tu voulais bloquer le passage. Comme ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, non? Recule. Yeah. Oh. Tu veux acheter du gaz? Combien tu as dit que tu voulais acheter? 3000 Negra, monsieur. Montre le juge d'abord. 3000 Negra? Tu le vois? Allez-y, allez-y. Ne mettez pas n'importe quel gaz, oh. Tu es stupide. J'ai besoin du tu bon gaz. Tu n'as pas vu d'autres endroits à aller. Je vais te retourner cette bouteille maintenant. J'aurais dû aller acheter du gaz là-bas. Ne pas aller là-bas l'acheter. C'est parce qu'ils n'ont pas encore ouvert, non? Ici. Je t'en prie, dépêche-toi que je puisse partir de cet endroit. De c'est quoi ça? Aller loin pour l'acheter. Dépêche-toi, moi je vais partir.
Tu crois que je vais tuer pour toi, Minaira? Tu fais du prix, donc je ferme ma boutique à cause de toi. Viens fermer la boutique, non, singe. Hey, miracle. Mais qu'est-ce qui retient cette fille? Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui m'a poussé à envoyer cette fille? Sa mère sera bientôt de retour. Ça, c'est quel problème, mon Dieu? Oh! Hey, la voilà de retour. Mon Dieu. Et Soubo, une trouble faite. Avec cette-ci, je m'attends au trouble. Hey, maman. Oh, Mila, tu es allé au marché sans pour autant prendre les sachets. Oui. J'étais pressée. J'étais pressée. C'est bon, bienvenue. Le prix des produits ont haussé. Le gouvernement va mal. Pas du tout bien. Le gouvernement va mal. J'espère que tu as acheté tout ce que je t'ai demandé. Oui, je l'ai fait. Je n'étais pas d'accord avec eux. Ils ont augmenté les prix, j'ai refusé. C'est pourquoi tu es revenu en retard. Oui, ils m'ont dit que le gouvernement va mal. Ok, je vois. Mimi, miracle. Elle va revenir bientôt, je l'ai envoyée. Quoi? Quoi? Tu as fait quoi? Désolée. Je t'avais dit que je n'aime pas ça. Oui, tu me l'avais dit. Miracle n'est qu'un bébé. Hein? Je t'avais dit que je n'aime pas ça. Miracle n'est qu'un bébé. Je n'aime pas okay, ça. Ok, elle va bientôt rentrer. Et si quelque chose de mal lui arrive? Rien de mal ne lui arrivera. Non, je n'aime pas ce que j'entends. Je déteste ce que j'entends. Okay. Je déteste ce que j'entends. Admets que tu as tort. J'ai tort. Admets que tu as tort. Je n'aime pas ce que j'entends. Admets que tu as tort. Je t'avais dit que je n'aime pas ça. Miracle est qu'un bébé. Ne l'envoie pas, tu l'as envoyé. Et si quelque chose de mal lui arrivait, dis-moi. Rien n'est. Admets que tu as tort. Et si quelque chose de mal lui arrive. Oui. Si, quelque chose de mal lui arrivait. Si. Hey. Admets que tu as tort. Désolé. J'ai entendu ce que je n'aime pas. Et si quelque chose de mal lui arrivait. Je n'aime pas ce que j'entends. Admets que tu as tort. Je n'aime pas ce que j'entends. Quelque chose de mal lui arrivait. Pardon. Elle sera bientôt de retour, s'il te plaît. Miracle. Ouais. Qu'est-ce qui m'a pris, mon Dieu? Miracle. Chose ne va pas. Miracle ne va pas bien. Hier, ça ne va pas. Miracle. Ne va pas bien. Hey, c'est quel problème ça? Hein? Thank you.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va bien? Emmenons-la. Faisons vite en tout cas. Fais vite, démarre vite. Mon Dieu. Oh Dieu. J'ai cru qu'elle s'en sort sans problème, mon Dieu. Est-ce que tu la connais? Tu ne la connais pas? C'est la petite fille intelligente, non? Cette femme folle-là qui avait donné naissance. Vois. Oh, Seigneur! Aie pitié de cette fille. Mais allons lui dire non. Qui partir? Comme si tu allais rentrer vivant de cet endroit. Tu ne connais pas cette femme. Partir avec qui? Moi, je n'irai pas où. Tu connais le chemin. Laissons. Laissons. Arrête de réfléchir. Laissons. Je l'avais dit. Laissons. Laissons. Tu dois me dire là d'où tu vis afin que je puisse te ramener. Hein? Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici et pense que je t'ai kidnappé. Je n'ai pas de l'énergie pour tout ça. Et où? Où tu es? L'as-tu kidnappé? Tu vois ce que j'étais en train de dire? J'ai un frère kidnappeur. Il a quoi? Tu dois me dire d'où vient cette petite fille. Allez, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème? Es-tu malade? C'est à cause de ton malheur, ta malchance que j'ai ramassé l'enfant de quelqu'un. Et tu me demandes de quel enfant était-ce? Hein? Est-ce que je ressemble à un kidnappeur? Tantine, bon après-midi. Hein? Qu'est-ce que tu appelles tantine? Hein? Est-ce que je ressemble à ta tantine? Ou à ta maman? Petite souris! Hein? Laisse-moi te dire. En fait, laisse-moi enlever les babouches. Hé! Hey! Je te supplie au nom de Dieu. Peu importe le temps ou l'endroit où tu me verras, évite-moi. Tu m'entends? Évite-moi! Caro, c'est quoi ça? Je ne ressemble pas à ta mère, ni à ta tantine! Évite-moi, oh! Caro, que veut dire tout ça? Pourquoi tu embarrasses cette petite enfant?
Tu kidnappes l'enfant de tout, tu l'amènes ici et tu veux comprendre pourquoi je réagis ainsi. De quel kidnapping parles-tu? N'est-ce pas toi qui l'a causé? À cause de ton malheur, j'ai ramassé l'enfant de quelqu'un et tu me taxes de kidnappeur. Et alors? Fille, viens t'asseoir. Toi, kidnappes l'enfant d'autrui, pas vrai? Idiote. Retourne l'enfant d'autrui. D'où tu l'as pris? Comment tu peux amener un enfant dont tu ne connais les parents jusqu'ici? Je t'avertis, sois averti. Toi avec cette fille, tu seras attrapé par la police. Quand tu seras arrêté, moi Caro, je ne veux ça pas t'assister. Tu sais que tu ressembles à un agbero. Regarde-toi de la tête aux pieds. Agbero, ok, agbero Donicha. Y a pas de problème. Tu finiras dans le mail de la police. Que la police vienne. Et toi, toi qu'elle va prendre. Toi, singe. Petite souris, tu ne veux pas rentrer chez tes parents? La rue n'est pas faite pour les enfants. Rentre chez ton père et ta mère. Et toi, une fois au arrêt, moi Caro, je ne viendrai pas. Tu cours un risque. Tu finiras en prison, oh. Sois-en sûr. S'il te plaît, ignore-la. C'est de ça que je souffre. Elle souffre des troubles psychiques. Hein? Désolé, hein? Tonton, s'il te plaît, remène-moi la maison. Ma mère est en train de chercher. Et je ne veux pas que ma grand-mère soit dans le trouble. Ok. Attends un peu, je vais prendre quelque chose à l'intérieur, hein? Et puis je t'emmène à la maison, d'accord? Ok. Ne t'inquiète pas, hein? Donne-moi juste une minute. J'arrive. Hein? J'arrive.
Tu ne cesses de me causer des troubles dans cette maison. Caro, apaise-toi, il finira par rentrer. Oga, qui te poursuit? Pourquoi tu es aussi essoufflé? Qui te poursuit? C'est toi qui me poursuis, Caro. C'est toi qui me poursuis. Depuis que tu as quitté l'école et es revenu dans cette maison, je ne fais qu'avoir des problèmes. Ocho, ocho, malchance. Hein? Maintenant, dis-moi, comment pourrais-je retirer ma moto de cette folle? Comment? Hein? C'est quoi ce problème? Viens, Ouché. Je te prie au nom de Dieu. Tu ferais mieux de me laisser en dehors de ta misère. Est-ce que Caro, tu m'entends? Une malchance. Ne m'implique pas tu dans es ta une pauvreté. Caro, tu es... C'est moi qui t'ai allé prendre cette petite fille. Depuis que tu es revenu dans cette maison, ai-je une fois eu un bonheur? N'as-tu pas un malheur? Hein? C'est quoi Mon ça? Mon Dieu, gère bien ta pauvreté. C'est très évident que tu n'es plus normal. Ta tête ne tourne plus bien. Tu entres dans la parcelle, tu me vois, tu me salues même pas, tu commences directement à crier. Tu vas retourner à ton école. Hein? Retourne à l'école, Caro, avec ta malchance. Je ne te veux plus dans cette maison. Ok. Moi, j'ai la malchance. Caro a la malchance. Ocho. Malchance. Non, voilà. Et puis, ennemi du progrès. Il n'y a pas de problème, merci. J'ai la malchance. Je suis prostituée, ennemi du progrès. Tout ça, c'est moi, Caro. Ok. Oui, je l'accepte. Ok, bien. C'est toi qui l'as retiré. Je m'en vais. Tiens-toi prêt à mon retour. Que vais-je faire pour retirer ma moto de cette folle? Que vais-je faire? Grand-mère, ma maman est toujours en colère contre nous. Elle refuse de parler à l'une d'entre nous. Laisse-la. Je comprends qu'elle est encore sous le choc. Elle va se ressaisir. Je ne supporte pas la voir en colère. Je ne te ris pas. Miracle. Miracle, Miracle, tu me causes des troubles, ou juste une simple demande. Tu m'as causé beaucoup de troubles. Hein? Tu m'as dit que tu étais une grande fille. Comment une grande fille comme toi ne sait pas traverser la route? N'as-tu pas appris ça à l'école? Et qu'avant de traverser la route, tu l'as regardé à gauche et à droite? Question de se rassurer des véhicules et des motos qui passent. Hein? Grand-mère, je ne sais pas ce qui se passe. Comment le sauras-tu? Je n'avais même pas vu le motocycliste. Hein? C'est de ça que je parle, non? Les motos sont devenues maintenant invisibles. Ça sort je ne sais d'où, fiaon, et tu es par terre. À chaque fois que je t'envoie, tu me causes toujours de troubles. Hein? Je ne t'enverrai plus jamais. C'est évident que Nedi m'a t'a gâté. Alors, je dois prendre mes distances. Je ne veux plus t'envoyer où. Je ne veux plus de problèmes. Grand-mère, ne pleure pas. Reviens t'asseoir ici. Hein? Laisse-la. Réfléchis, réfléchis. 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 Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Réfléchis, Maman. Réfléchis. Je t'ai dit de rester loin d'elle. Hein? Je me fais que le plaisir.
Caro. Caro. Je pensais que tu ne partirais pas. Tu voulais de l'argent, non? N'importe quoi. Hein? Aller où? Non, où penses-tu aller? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux aller? Ces rêves que tu as, il faut l'oublier, ce n'est pas pur. Tu es toujours là. Non. Caro, tu es toujours là. Laisse-moi te dire. Okay. Aucun de nous deux ne fera un pas d'ici. Moi, je suis venue rester ici. Continue à rester, non. Mais tu cherches de l'argent. Avant que tu ne te rendes compte, un an est déjà parti. Ouais. De l'argent. Moi, tu me donneras cet argent. Peu importe, tu peux partir. Nous verrons bien de nous deux la personne qui va se fatiguer. D'accord. Pour cette affaire, je suis là-haut. Je t'attends. Tu finiras par rentrer. Je ne pars pas d'ici jusqu'à ce que tu me donnes quelque chose. À moins que tu trouves une autre maison, c'est ici là où tu dors. Maman, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Réfléchis. Arrête de réfléchir. Thank you.
sortir maintenant. Elle s'est calmée. Tu vas continuer en forme, comment évoluent les choses ici? Comment les machines? Et toutes les machines ici? On se débrouille. Ça c'est bien en tout cas. Et tu me rappelles, qu'en est-il de ta sœur Caro? Celle-là, elle est retournée à l'école avec ses problèmes, ses troubles et tout. Hein? Elle revient toutes les semaines pour m'extorquer de l'argent. Elle dirait qu'elle voulait de l'argent pour ci. On leur demandait de payer pour ci, payer pour ça. Je me pose la question à savoir, lorsque nous étions à l'école secondaire, est-ce qu'on avait dépensé comme ça? Hein? Ça me fatigue. C'est fatigant, Ifedi. Mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Ta sœur n'étudie nulle part. Je te dis ce qui est vérifié, elle n'étudie nulle part. Qu'est-ce qui est drôle? J'ai pas compris. Il fait des coins. Tu t'amuses. Hein? Tu penses que je blague? C'est une blague, non? Regarde, ta sœur t'est dupe. Ta sœur se joue de toi. Tu ne comprends pas. Elle est au village voisin en train de vendre le Biapalos. Elle vend le Biapalos, Bias. Elle est en train de faire les histoires qu'on prépare pour manger à tout moment. C'est ce qu'elle fait, c'est ce genre de business qu'elle fait. Arrête ça. Arrête de dire ce mensonge. Caro est à l'école. Hein? Elle est à l'école. Ma petite sœur à l'école. Qu'est-ce que tu me dis? Regarde. Je ne peux pas m'aventurer avec ce genre de choses. Hein? Si tu doutes de moi, allons là-bas maintenant. Maintenant, on va voir ce qu'elle est en train de faire. On va voir maintenant. Ta sœur vend le Biapalos. Ifedi, c'est un peu de la pagaille. Tu veux dire que ma sœur, ma petite sœur, Caro, dispose d'un bar? Oui, mon frère. Hey! Cette fille m'a fini. Hé, arrête-toi. Arrête de crier comme froid. Ça. Tu as froid aussi? Mais oui, non? Hey! Oui. Je connais combien tu as dépensé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrête de crier. Ma condition maintenant. Je lui ai donné tout mon argent, non? Mon frère, calme-toi. J'ai chaud. Dis-moi, elle est où maintenant? Puis j'allais voir Caro. Elle est juste là dans le village voisin. Elle est là. Elle est morte. Mais je si te je dis. Si je vois Caro, si j'attrape Caro dans ce bar, c'est fini pour elle. C'est la morgue. Oui, tu vas la voir. Merci beaucoup. Mais calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que cet endroit appartient à Caro? Caro est la propriétaire de ces bars. Regarde là. Mais tu ne vois pas ça. Je vois où? Et Caro est la propriétaire de ces bars. Ce bar appartient à ta sœur. Quand je te parle, tu ne me crois pas. Mais regarde, ce grand bar appartient maintenant à ta sœur. Hey! Oui. Ifedi, donc c'est mon investissement ça? Tu le vois de tes yeux. C'est ça mon argent durement gagné. Tu l'as vu de tes yeux. Les frais scolaires, je les donne à Caro. Les frais d'auberge, Caro les prend de moi. C'est moi qui le les support. Achète. Frais de département, je les donne à Caro. Le frais d'études, d'examen. Elle vient me prendre. Toutes ces choses. Ifedi, si je découvre que ce que tu me dis est vrai, hein, Caro est morte. Regarde,
Regarde là-bas. Okay. Ah oui. Donc si je vais maintenant là-bas, je verrai Caro. Parle seulement là-bas. Elle sera celle qui va te servir. Ok, allons-y. Non. Je ne peux pas entrer là-bas. Pourquoi? Parle seulement. Je t'avais dit que je dois aller quelque part. Je dois y aller, parle seulement. Hein, parle, mais ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai montré. Hein. Ça va, hein, ça va. Parle seulement. Non, ne t'en fais pas, parle seulement. Mais calme-toi. Hein? On va se voir à la maison, ok? Wankonabar. Qui est là? Qui est le propriétaire de Wankonabar? Oh là là, c'est qui veut me déranger encore cet après-midi? J'arrive! Hey, c'est certainement ton ami qui t'a amené jusqu'ici. Caroline! Hein? Donc c'est ton université, ça? Caro, donc c'est ça l'université à laquelle je t'ai envoyé? Ne vois-tu pas que je suis une bosse? Hein, Caro? Tout l'argent que tu m'estorquais, les frais scolaires, les frais d'auberge, les frais de département, les brochures, tout l'argent que tu m'as estorqué, Caro, donc c'est ici que tu l'as investi. Je ne sais comprendre ta raison d'être ici. Ne vois-tu pas toutes ces réalisations? Tu vois tout cet espace, jusque-là derrière où je loue. C'est l'héritage que ton papa, ou mon papa, a laissé pour nous deux. Caro. C'est pourquoi tu as les kilos de me parler. Tout l'argent que tu me donnes, c'est ici là où je l'investis. Sois fière de moi. Je suis une femme bosseuse. Mon gars, encourage-moi. Laisse-moi tranquille. Que le Dieu Tout-Puissant te punisse. Pourquoi tu as décidé de me punir? Je ne les tolère pas. Je ne vais pas les tolérer. Ne viens pas ici pour m'insulter devant mes clients. Regarde comment tout le monde est en train de nous regarder. Contrôle ta bouche. Je ne te laisserai pas faire. Chai. Caro, tu m'as déçu. Calme-toi. Dans tout ce temps que moi, je n'ai pas été à l'école, je vends du gaz et j'ai pris mon argent. Et je t'ai envoyé à l'école pour que tu sois utile dans la vie. Aimes-tu l'université? Caro, c'est ici que tu es venu rester. Tu es venu. Encourage-moi, non? Tu n'as qu'à me féliciter. Caro, tu vas te punir, Caro. Et il te punira aussi. Il te punira. Tu prends une chaise pour me battre. Attends. Je vais te briser le cou avec cette bouteille. Je vais te casser la tête. Je vais m'insulter devant mes clients. C'est quoi? Ne fais pas semblant devant les gens, puisque tu me connais bien, oh. Tu sais de quel bois je me chauffe. Tu sais qu'est-ce que je suis capable de faire quand je me fâche, oh. Ne me pousse pas à te blesser, puisque tu le regretteras toute ta vie, oh. C'est quoi ça? Fous-moi la paix, laisse-moi accroître mon business. Si tu te vois encore dans la maison de mon père, tu verras ce que je te fais. C'est la maison de ton père. Donc, Caro, ce n'est pas ta maison, je m'y rendrai. Tu n'as rien à faire. Va-t'en. Tu penses vraiment venir ici et me menacer? Analphabète. Attends, tu seras étonné. Je vais acheter des terrains partout. Je vais élargir mon business. N'importe quoi. Viens encore ici, je vais te casser la tête. Entre dans la voiture maintenant. Pour la dernière fois. Sinon quoi? Ça ne va pas marcher. Oh! Tu veux aller tuer ma fille? Ça ne va pas marcher. Vous plaisantez. Vous allez bien voir. Boula Koubou ne vous épargnera pas. C'est ton problème. C'est ce que vous osez dire, devant moi. Donc c'est toi qui soutiens ta fille. Tu soutiens même sa tétutesse comme ça. Suis-moi maintenant et allons-nous-en d'ici. Dernière chance. Tu te trompes, elle n'ira nulle part. Elle ne bougera pas d'ici. Maintenant écoutez-moi bien. Je vais vous raconter l'histoire de toute cette affaire. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ça n'a jamais été de ma faute. Elle est la présence, elle peut te dire la vérité. Elle va te dire que ça n'a jamais été de ma faute. C'est une fille douce, non? C'est une fille douce, ça je sais, c'est une fille douce. Ma chérie ici présente est une femme douce. Il n'y a rien qui fera en sorte que je la quitte. Ça n'a jamais été de ma faute. Comment dois-je encore bien l'expliquer? Hein? Elle est là, elle sait tout. Elle peut même très bien t'expliquer toute cette histoire. Elle sait tout. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Elle est en train d'agir comme ça. Hein? C'est juste que l'attitude de ta mère envers ma fille n'était pas bien quand elle était en vie. Alors, maintenant qu'elle est morte, permets à son âme de se reposer en paix. Bon. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ok, maintenant tu as changé d'avis. Où étais-tu quand elle maltraitait ma fille? Elle ne bougera pas d'ici. Écoutez-moi bien. Ça ne va pas marcher. Quelle est cette mouche qui t'a piqué? C'est maintenant que tu reprends tes sens? Que veux-tu à ma fille? Qu'est-ce qui a changé? Mélodie, dis-moi, qu'est-ce qui a changé maintenant? Quand elle était dans tes bras, tu l'as traitée de tous les maux. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas me calmer. Si je peux reposer ma tête sur ça,
Vous verrez que je vais naturellement me calmer, naturellement. Si seulement elle revient dans ma vie, je vais me calmer. Maman, donc vous tu ne veux pas de paix. Ne le suis non, pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne peux vraiment pas me calmer aussi longtemps qu'elle n'est pas dans ma vie. Comprenez que c'est à cause de l'amour. N'importe quoi. S'il te plaît, je veux juste que nous oublions, que nous repartions sur de nouvelles bases. Que nous reprenions notre vie. Il ne s'agit qu'une décision et nous passerons à autre chose. Et nous allons continuer avec une nouvelle face de la vie. Tu n'as même pas honte. C'est pour ça que tu pries. Donc tu veux vraiment me sacrifier, n'est-ce pas? On ne m'a pas encore demandé de t'amener là-bas. Personne ne me demanderait une telle chose. Je te dis. Peux-tu vraiment imaginer? Mon grand maître ne m'a pas dit une telle chose. Mon fils, pars. Je vais causer avec elle, t'inquiète. Boula Koubou. Maman, c'est le moment qui change ta vie. Ok, d'accord. Maman, attends. Maman, c'est attends. Bon. Laisse-moi Je vais causer avec elle. Entre. Laisse-moi. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je vais causer avec elle, t'inquiète. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ce n'est pas encore fini. Tu sais, Fur ne va jamais te sauver. Il faut que tu reviennes à la maison. Faisons comme si j'étais en train de partir. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais revenir ici. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour vous de comprendre les choses. Hey! Hey! Oh! Hein? C'est quoi tout ceci? Hein? C'est quoi tout ça? Hein? Regardez-moi. Regardez-moi! J'aurais dû me faire former à l'école. J'ai dépensé mon argent pour faire former cette fille. Pour qu'elle devienne quelqu'un. Mais elle m'a joué pour aller ouvrir un bar. C'est un bar qu'elle allait ouvrir. Hey! Je ne savais pas que c'était une pierre que je versais de l'eau. Hey, Uche! Ok. Pas de problème. Miracle! 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 Tu veux être en retard? Tu veux être en retard? Maman. Tu veux être en retard? Tu veux arriver oui, en retard? Oui, maman. Réfléchis. Mon ami. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonjour, hein. Arrête, réfléchis. Nous sommes en retard. Écoute, je vais passer par ton école pour aller réparer ma moto. Elle est en panne. Ok. Donc, allons-y. Tu es en retard. Mon ami. Comment tu vas? Miracle, tu es encore en retard aujourd'hui. Sache qu'aujourd'hui, je ne t'épargnerai pas. Ta main. Hé, donne-moi ta main. J'ai dit donne-moi ta main. Donne-moi ta main. J'ai dit donne-moi ta main. Tous les jours, tu viens en retard. Donne-moi ta main. Et tu crois que je vais te laisser comme... Il est fou. Nous ne voulons plus être dans cette folle. Tu rentres avec une folle. Il est fou. Toi la folle. Maman, c'est papa. Pars d'ici. Il est fou. Madame. Il est fou. Non, elle est fou. Elle est insensée. Elle n'est pas du tout normale. Comment elle peut le frapper? Je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Elle est folle. Désolé. Imagine. Toi, cette fille ne sera plus admise dans cette école. On l'a frappée au... Oh, hey. C'est pas vrai. Cette femme. Désolée. Cette femme est terrible. Va te faire traiter.
Oh mon Dieu. Non, franchement. Mon bâton, emmenez-moi mon bâton. Hé hey. Ah. Quelle folie. Se trouver. Maman, où est-ce qu'elle peut être? Elle a disparu pour aller, elle est soudainement devenue un fantôme. Je suis désolé, ce que je veux dire est qu'on la trouve nulle part, non? Hein? On la trouve nulle part. Je ne veux pas qu'elle se fasse du mal. Peut-elle aller si loin? Elle a vraiment un problème. Hey! Où est-ce qu'on va trouver cette femme maintenant? Et... Hein? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Allons d'abord à la maison la chercher. Toi et qui? Moi et toi? Non, aujourd'hui, mon plan est d'aller faire réparer ma moto. Donc je ne veux pas que quelque chose me désorganise, pardon. Si tu ne veux pas partir, alors c'est bien, j'irai moi-même. Ah, d'accord, allons-y, allons chez toi. Reste devant, avant que je ne commence pas à te chercher toi aussi. Quoi? Hein? Tu n'es plus allée à l'école? Où est ta mère? Ma mère s'est bagarrée avec notre professeur. Hé! Hey! Agouma. Après tous ces conseils que je lui ai donnés, hein? Je lui ai dit que c'était normal que l'enfant soit frappé par ses enseignants quand elle vient en retard à l'école. Et toi, pourquoi tu es allée en retard à l'école? J'étais emportée par le sommeil. Hein? C'est le sommeil. Vous êtes emportée par le sommeil. Hein? Maintenant que vous êtes réveillée. Vous êtes réveillée maintenant, hein, c'est ça? Pas de problème. Prie. Hein? Que tu ne sois pas renvoyée de cette école. Hein? Puisque jusqu'ici, tu es déjà passée par une, deux, trois écoles. Je ne sais pas cette fois-ci où est-ce qu'elle va encore aller t'inscrire. Hein? Où est-ce qu'elle se trouve pour l'instant? On l'a insultée et elle avait pris fuite. Je ne l'ai plus revue. Pourquoi ils ne vont pas l'appeler de tous les noms? Hein? Comment elle ne peut pas être qualifiée de tous les noms quand elle te suit partout où tu vas? Elle ne veut pas te laisser. On dirait qu'elle était la seule à avoir un enfant. Ne venez pas ici déranger ma paix. Laissez-moi raisonner ma vie. Maman, j'espère qu'elle ne va pas se blesser. C'est ça qui me concerne plus. Ne te dérange pas, mon fils. Tu peux partir. Quand est-ce qu'elle sera normale? Elle va retourner d'elle-même. Grand-mère, es-tu sûre? As-tu oublié le comportement de ta maman? Hein? T'inquiète, elle finira par rentrer. Hein? T'inquiète, d'accord. Hein? Je vais partir. Mimi, oui? Sois gentille. Hein? Ok. Je vais aller chez le mécanicien. Au revoir. Maman, à plus. Hein? Merci. Hein? Bye. Bye-bye. Bye. Pardon, prenez soin de vous, hein? Te dérange pas, oh. D'accord. Elle reviendra à la maison. Hé, hey, Nedima. Hein? C'est toutes les années qu'elle change d'école. À la rentrée, elle commence par une école. À la fin, elle est dans une autre. Quel exemple que tu communiques à l'enfant. Laisse-moi reposer mes nerfs. Hé, hey, toi, viens te mettre ici. Prends place. Ah, ah. C'est la première fois que ta mère part de la maison. Apaise-toi. Ça risque de t'affecter. Grand-mère, j'ai peur qu'elle puisse se faire du mal. Il n'y a rien. Tu sais, à chaque fois qu'elle sort, on l'insulte. Là, voilà. Quand on parle de l'eau, on voit sa queue. Maman!
tu t'es fait? Est-ce que ça fait mal? Nedima, tu dois arrêter avec cette folie. Est-ce que tu m'entends? Tu dois arrêter ça. Cet enfant sera gâté. C'est quoi ton problème? Hein? Je t'avais dit que c'est normal que l'enfant soit frappé par ses enseignants quand elle vient en retard à l'école. Tu n'écoutes pas. Vois. Vois où tu en es maintenant. Je suis certaine que tu planifies déjà de lui changer d'école. Oui. Oui, c'est ma fille. Je travaille dur pour payer ses frais. Tu ne payes pas ses frais. Je travaille dur pour payer ses frais. Tu ne payes pas. Tu travailles dur pour... C'est pas toi qui payes. C'est pas toi. C'est mon argent. Tu dépenses beaucoup d'énergie dans différentes fermes. Ça et là. Pour enfin aller gaspiller cet argent dans les instructions. Oui. Oui, oui. Une même pas, je ne les aime pas. Une même pas, je ne les aime pas. Tu n'iras plus dans cette école. Tu n'iras plus dans cette école. Une même pas, je ne les aime pas. Pas de problème. Une même pas, je ne les aime pas. Continue de la chouchouter. Oui, continue. Elle est ma fille. Maman, okay. C'est ma fille, ça. Pas la tienne. Ne dis pas que tu ne t'es pas prévenue. C'est ma fille, pas la tienne. Ok. N'est-ce pas que je t'ai envoyée à l'école? Toi, elle est ma fille, pas la tienne. Mais bien t'as tu vas changer d'école. Tu vas changer d'école. Tu vas changer d'école. Tu n'iras plus dans cette école. Tu n'iras plus dans cette école. Oui, il n'est même pas, je ne les aime pas. Laisse-moi aller chercher un truc pour essuyer ta main. J'arrive. Il n'est même pas, je ne les aime pas. Il n'est même pas, je ne les aime pas. Tu vas changer d'école. Je veux voir la blessure, d'accord? Désolé, je vais voir. Désolé, désolé, je vais faire doucement. Hein? Désolé, désolé, laisse-moi voir. Désolé, ok? Désolé. Aïe! Aïe! Désolé, désolé, désolé. Désolé, hein? Désolé, tu te plais. Désolé. Mimi, a-t-elle mangé quelque chose aujourd'hui? Non, elle n'a pas mangé. Ah, pourquoi? Il n'y a pas de nourriture dans la maison? Hein? Non. Ok, regarde sur la moto là-bas, hein? Il y a quelque chose là-bas. Va l'apporter. Désolé, 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 d'accord? Tu sens les douleurs? Tu sens les douleurs? Désolé, hein? Désolé. Ça va guérir, ok? Mimi. Oui? En réalité, je l'ai acheté pour moi-même. Mais tu peux la partager avec ta mère. Merci, tonton. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mimi, tu dois m'en aller maintenant. Hein? D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Ok. Hein? Tu te porteras bien, ok? Apporte la cuillère, apporte la cuillère. Ok. Apporte la cuillère. Ok. Apporte la cuillère.
Hé, hey, Caro! Caro, retourne là d'où tu viens. Caro, je dis, retourne là d'où tu viens maintenant même. Caro, je dis, retourne là d'où tu viens. Hein? Rentrer où? Et tant que qui? Tu ne m'entends pas? Comme qui? Mon père qui m'a mise au monde? Je suis ton père, Caro. Hein? Ouais, puisque papa n'est plus, cette maison m'appartient. Alors j'ai le droit de te dire ce que tu dois faire. Ta! Sors! Détrompe-toi! Fous-moi la paix, Joe! Tu menaces qui? C'est moi qui te menace. Je n'irai nulle part. Quitte cette maison mon maintenant. Mon gars, tu n'as pas le droit de me chasser dans la maison de mon père. Tu ne l'oseras pas. Caro, je te dis de quitter cette tu maison Tu ne l'oseras maintenant. Pas, j'irai nulle part. Okay. Ah! Qu'est-ce que c'est, imbécile? Idiote. Je parle, tu parles, n'est-ce pas? Mekou, waneku. N'importe quoi. Laisse-moi voir encore ton vilain visage là dans cette maison. N'importe quoi. De quoi te plains-tu au juste? Oh gars, je peux avoir mon gaz? Quelle est ta plainte? Hey, oh mon j'ai Dieu, oh, c'est quoi tout ça même? Et je l'ai pesé, n'as-tu pas vu quand je l'ai pesé? Non, mais qu'est-ce que tu me racontes même? N'étais-tu pas ici quand j'ai pesé ton gaz? Rempli. Hein? Rempli. Oh gars, vous n'avez rien fait du tout, vous parlez de rempli, c'est quoi vous m'racontez là? Tu n'as rien rempli du tout? Arrêtez de dire n'importe quoi. Je suis venu ici pour que tu remplisses mon réchaud, mais tu n'as rien fait du tout. Hey, arrête parce que tu commences vraiment à dire des choses qui m'énervent. Pendant que tu n'es même pas un salarié. Je ne progresse tu n'es même pas un salarié. Ça fait déjà combien d'années que tu es ici même? Tu n'es pas un salarié. Tu n'es pas un salarié, c'est moi qui te le dis. Livre ma boutique. Ou bien quoi? Boutique, tu feras quoi déjà? Je vais te battre. Hey, oh mon Dieu. Je vais te battre maintenant, te battre bien. Quitte ma boutique. Ne cherche pas de problème. Tu as apporté ta bouteille de gaz ici, je l'ai remplie, tu l'as vu. Maintenant tu l'as ramené après l'avoir emporté me disant qu'il n'y a rien. Donc tu viens de dire que tu vas me frapper? Je vais te battre, non? Donc juste ici. Tu penses que tu vas me frapper? Sérieux? Tu penses que tu vas me frapper? Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Ok. Ok, puisque tu t'es dit que tu vas pas me donner mon gaz, tu vas voir ce que moi je vais te faire. Tu rigoles moi maintenant, hein? Attends, tu vas voir. Toi! Toi! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué quelqu'un? Aïe! Tué! Il est mort! Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Je ne m'en souviens pas. C'était quoi au juste? Ah, pauvre Dieu, j'ai tellement mal. Mimi, comment tu vas? Ça va bien. Mimi, mon ami. Mimi, mon ami. Mimi, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je constate ta visite. J'espère que tout va bien. Tout va bien, oh ma chère. En réalité, je suis là pour voir ta mère. Je
Je veux la remercier pour ce qu'elle a fait pour moi la dernière fois. Hein? La remercier pourquoi? Je ne comprends pas. Mimi, j'ai un client qui m'attaque toujours. C'est ce que ta mère a combattu pour moi. Elle a combattu le client là. Ouais, donc je suis là pour lui dire merci. C'est vrai? Ouais. Intéressant. Ma chère, je suis surpris. Hein? Je suis surpris aussi. Ma mère t'apprécie beaucoup. Hein? Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Parce que elle combat pour ceux qu'elle aime. Hein? Oui. Ok, où est-elle maintenant? Je vais la voir. Elle est là-bas derrière. Ok, je vais aller la voir. Tu vas aller je la vais voir? Revenir. Ok. Mimi, mon ami. J'arrive. Hein? Ok. Tu as dit que ta mère était derrière la cour, non? Elle est là-bas. Elle n'est pas là-bas. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas vue. Il n'y a personne derrière la cour de la maison. Hein? Où est-elle? Qui regardes-tu? Regarde, elle est là. Elle se cache, je ne veux pas que tu la voies. Oui. Des gens se cachent de nous. Et on peut les voir. Oui. Cacher et voir. Ah oui, bien sûr. Des gens se cachent de nous. Oui. On peut les voir. Et on peut bien les voir. Miracle. Grand-mère. Je n'ai jamais vu ta mère aussi contente. Hein? Hey, elle a quoi celle-là? Je ne sais pas, oh. Tout ce que je sais est que tonton, tu as été ici pour la remercier d'avoir battu un homme pour lui. Hein? Elle a battu un homme devant sa boutique. Et lorsqu'il était venu la remercier, maman veut refuser de sortir. Eh, wow. Hein? Ça, ce n'est pas un problème. Le plus important est que les considère comme un ami. Oui. Hein? Hein? La dernière fois que je l'ai vue aussi contente, c'était quand tu étais la première de la classe. Oui. Te rappelles-tu encore de ces temps? Eh, hey, hey, wow. Mais dis-moi, n'est maman. Maman? Elle est mystérieuse. Quand tu es contente comme ça, nous aussi, on est contents. Je suis contente, je suis contente. Ce que tu aimes. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Je suis contente. Nous sommes aussi contentes. Je suis contente, je suis contente. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Seigneur, merci. Où étais-tu il y a une heure? J'étais fatiguée. Es-tu sûre? Ok, à qui appartient cette flasque de nourriture? C'est le mien! C'est ta flasque de nourriture. Où est-ce que tu l'as eu? Oh, t'inquiète. Je voulais juste être sûr avant de... C'est ma maman. Tu dis qui? Est-ce que ce n'est pas bon?
Mimi, mon ami. Maman? Oui? Quelqu'un a utilisé mon bol pour le donner à Oncle Etché. Maman, est-ce que c'était toi? Je sais que c'était toi. Maman, tu aimes tonton Etché? Hey! Tais-toi, tu es un bébé, tu ne sais rien. Tais-toi, tu es un bébé. Arrête de raconter du n'importe quoi. Tais-toi! Ne dis pas de bêtises. Maman, je sais que tu aimes tonton Etché. Et tu veux qu'il devienne mon papa. Hey! Miracle! Arrête de réfléchir. Stop, stop, stop et réfléchis. Tu es un bébé. Arrête de raconter de bêtises. Arrête les bêtises. Tu es un bébé. Stop et réfléchis. Tu parles de papa? Tu parles de papa, maestro? Tu parles de papa? Tu parles de papa? Tu parles de papa? Stop et réfléchis. Stop et réfléchis. Tu racontes du n'importe quoi. Arrête. Stop. Arrête de réfléchir. Je sais que ma mère aime tonton Etché et il sera sûrement mon père. Ah, mon cher ami. Comment tu vas? Je ne vais pas du tout bien. Je ne vais pas du tout bien. Mon frère, c'est quoi le problème? Hein, Ogen? Ferdi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je pense que j'ai besoin d'aide. Ferdi, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas juste ce qui m'arrive. Hein, tu as besoin d'aide? Ok, c'est quel type d'aide? Est-ce toujours le même problème avec ta sœur? Non, non. C'est plus que ça. Non. Hein, Ok, c'est quoi le problème? Mais non, dis-moi, c'est quoi le problème? Mais je suis ton frère. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Ferdi. Hein? Je pense qu'une folle m'a donné un filtre d'amour. Mon Dieu! Mais non. Comment est-ce que c'est arrivé? Ha, je ne comprends rien. Ferdi, depuis que j'ai mangé sa nourriture, je ne me retrouve plus. Et même quand je ferme mes yeux, je verrai son vilain visage. Souriant. Quand j'ouvre mes yeux, c'est son vilain visage que je verrai, souriant. Elle est toujours souriante à moi, partout, je ne sais pas. Non. Hein? Dis-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je peux voir cette femme vilaine et manger sa nourriture? Il fait dire, c'est une longue histoire. Hein? C'est une longue histoire. Regarde-moi, regarde ton ami. Et mon cher. Oh, ton ami amoureux d'une femme folle. Hey. Ok. Laisse-moi te demander un peu, mon cher ami. Depuis que tu as mangé sa nourriture, mais aussi, est-ce que tu as mangé de l'autre côté? Dis vrai. Arrête de dire ça, crache par terre. Hein? C'est dégueu. Hey, tu as mangé l'autre côté. Hey, mon cher ami, ne sois pas stupide jusqu'à ce point. Ne le sois pas. Hey, mon cher ami, hey, tu dois aussi être prudent. Tu dois être vraiment, vraiment prudent avec une folle. Une folle, oh. Tu vois ça? Hey! Hey. Ferdi, j'ai peur, je ne sais pas. Hey, tu dois être beaucoup plus prudent et tu dois aller très loin d'elle. Tu dois comprendre ça au risque que tu engrosses une folle. Ferdi, arrête, non, tu me fais peur. Pourquoi tu regarde, mon ami, j'ai appris que les folles, quand elles tombent amoureuses, hein, elles tombent amoureuses au plus profond de leur cœur. Tu dois être très prudent, tu m'entends? Avant que mon frère se marie ou tombe amoureux profondément d'une folle. Ferdi, arrête, non. Ça, c'est une situation compliquée. Mon soldat. Soldat. Y a-t-il une chose que tu ne m'as pas dite? Y a-t-il quelque chose que tu oses me cacher? Dire tout, non. Il est mieux qu'on en parle, oh. Hein, tu es mon frère. Non. C'est mieux qu'on partage les choses. S'il te plaît, va m'acheter un truc, c'est ma zone. J'ai pas de force. Non. J'ai pas de force.
Nedima, tu dis non, 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 tu refuses. Est-ce que tu vas bien? Hein? Es-tu sûre que tout va bien? Tu ne m'as jamais refusé de t'envoyer dans cette maison. Oui. Hein? Hé! Hey. Mais dis-moi, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. Si tu vas bien, pourquoi tu as refusé d'aider Naka à faire son chant, sachant qu'il te paye bien? Hein? J'ai pas de force. J'ai pas de force, j'ai pas de force. J'ai pas de force. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai pas de force. J'ai pas de force, j'ai pas de force. Arrêtez de me déranger. Je l'avais dit. Que personne ne me dérange dans cette maison. J'ai pas de force. J'ai pas de force. J'ai pas de force. Que personne ne me dérange. Restez dans votre coin. Restez. Es-tu sûre que ta mère va bien? Je ne sais pas. Elle n'est pas de bonne humeur ce jour ici. Yen, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas Nedima. Hein? Suis-la à la maison. Essaye de t'en parler avec elle, hein? Certainement, elle t'en dira. D'accord? Ok. Je ferai de mon mieux pour lui parler. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te reconnais plus. La grand-mère s'inquiète aussi pour toi. On t'a jamais vu dans cet état. Maman, je sais que tu es ma meilleure amie et tu peux partager tes problèmes avec moi. Même si tonton Chen ne vient plus ici, il y a de cela 2 semaines. Comment pouvons-nous aller le visiter? Je sais où il habite. Maman, permets-moi d'aller lui rendre visite. Il me manque énormément. Ok. Ok, ok. Ok. Oh, maman, il te manque aussi. Tais-toi, tu es un bébé. Arrête de bêtises. Tais-toi, tu es un bébé. Arrête de raconter les bêtises. Arrête de raconter du n'importe quoi, tu es un bébé. Tais-toi. Tais-toi. Maman, il te manque aussi comme moi. Oh, je vois. Tu aimes beaucoup tonton Uche comme moi. Tais-toi, la ferme, tu es un bébé. Ferme ta bouche, tu es un bébé. Arrête tout ça. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Arrête. Tu es un bébé. Arrête ça. Arrête avec les bêtises. Arrête avec les bêtises. Arrête avec les bêtises. Arrête avec les bêtises. Oh, mon frère, je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais malade. Hein? Désolé. Ah, il fait de la malaria mauvaise. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas ouvert ma boutique. Deux semaines.
Même hey. Pourquoi? Fais Dieu. Mon frère, laisse-moi te demander. Est-ce vrai que tu ne te sens pas bien? Ou tu es en train de penser à cette folle-là? Il fait dit arrête, non, arrête. Non, 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 non. Mon cher, tu dois être clair. Je ne me sens pas bien, c'est ce que je te dis. Hey! Elle est là. Tonton Jay! Tonton Jay, comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 semaines que je n'ai pas venu nous rendre visite. Est-ce que tu vas bien? Je suis ok. Maman, je pense que Tonton Jay ne se sent pas bien. Son corps est très froid. Désolé. Arrête et réfléchis. On te dit sûr que tu vas bien. Je vais bien. Oui. Moi et maman, on s'inquiétait pour toi. Il fait du mon ami. Désolé. Il fait désolé. Dis-moi si tout va bien. Oh. Désolé. Tonton, qui est le monsieur qui était ici? Est-il votre ami? Il fait dit. C'est un très bon ami à moi. Je n'ai pas du tout aimé sa façon de nous regarder. Surtout ma maman. Aïe. Oh, ça va, ça s'est déjà passé. Hein? Ne dis-moi comment tu vas. Bien. Tonton, à quoi tu penses? Moi? Non, je ne pense à rien. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pense? Non, je ne pense pas. Tonton, je veux que ma mère puisse te traiter. Elle sait très bien traiter les gens malades, oui. Traitement. Freddy, tu devrais rester traitement. Ici, oh. Traitement. Qu'elles sont, cette femme et sa fille. Hein? Elles sont parties où? Regardez-les. Vous êtes partis de la maison, toutes les deux, sans pour autant m'informer. Désolée, grand-mère, on était partis rendre visite à tonton Oudier. Ah, je me suis inquiétée pour rien. Il ne se sent pas bien. Est-il malade? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? La malaria. Hé! Hey, comment il se sent maintenant? Il va mieux maintenant? Oui, il va bien. Il va bien. Il s'est rétabli. Il va bien. Hein? Il va bien. Il s'est rétabli. Il va bien. Il s'est rétabli.
Il va bien. Il va bien. Ta mère est tellement contente. Très, contente. Dieu va le protéger, hein? Il sera guéri. Amen. S'il te plaît, je te fais du mal, je le sais bien. Au fond, je sais que tu n'es pas heureuse. S'il te plaît, s'il te plaît, je demande pardon. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse pour la façon dont tu as traité. S'il te plaît, est-ce que nous pouvons continuer de là où nous nous sommes arrêtés? L'amour ne meurt jamais. Tu me l'as toujours dit. Vas-tu abandonner tout ce que nous avons eu à partager à cause de ma mère? S'il te plaît, je suis désolé. Reviens à la maison. Quelle maison? Vas-y, réponds-moi, de quelle maison parlais-tu? La maison. La seule maison que toi et ma mère m'avaient chassée? Toi et ta mère avez joué de moi parce que je suis incapable de vous donner un enfant. Et vous m'avez bien mis dehors. Mon amour, je sais. Mais laissons dans le passé ce qui est déjà passé. S'il n'y a pas de péché, il n'y aura pas non plus de pardon. S'il te plaît. Namdi, j'ai des difficultés à te comprendre. Tu as des réactions bizarres. Aujourd'hui, tu changes, tu es un bon homme. Demain, tu... agis comme un ritualiste, je te comprends pas. C'est très difficile à te comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Maman, s'il te plaît. Essaye de comprendre. S'il te plaît. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Pas de problème. Je vais causer avec elle. S'il te plaît. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais causer avec elle. Maman, je compte vraiment sur toi. S'il te plaît, aide-moi. Laisse-la entrer, mémé. T'inquiète pas. Ok, maman. Je vais causer avec elle. Oh, tu peux partir. Je vais causer avec elle. Oh, maman, en tout cas, merci beaucoup. Oh, ne te dérange pas. C'est bon. Je pars causer avec elle, t'inquiète. Ça va aller, laisse-moi aller causer avec elle. Annabelle? Tout c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû permettre ça. Je n'aurais jamais dû permettre ça. Aïe.
Mon cher, c'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis assis pendant 10 minutes et tu ne m'as rien dit. Est-ce une folle derrière ta vie? Il fait de ça les mots appropriés que tu as utilisés. Hey. Ouais, c'est ça les mots appropriés que tu as utilisés. Hein? Cette femme folle et sa fille m'ont pris en otage. Hein? Il me fait de l'aide, mon nom. Et maintenant, il paraît que je me comporte comme un fou. Hmm? C'est une option. Essayer de vivre aussi comme un fou est une option. Mais je ne comprends pas. Fais-moi comprendre. Avez-vous fait l'amour? N'en déplaise à Dieu. Pourquoi tu parles comme ça? Loin de là. Il fait je suis maintenant un père. Je suis maintenant un père. Hé! Hey. Je l'avais dit. Je t'avais beaucoup parlé. Mon cher ami, ça veut juste dire que vous avez fait l'amour. Non, non, il n'y a eu rien comme ça. Mon ami intime a engrossé une follow. Ah, Bestavono, pourquoi tu parles comme ça? Mais mon ami, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas longtemps que tu as rejeté ça. Tu vois maintenant. Il n'y a eu rien comme ça. Dis-moi un peu, comment est-ce que c'était? Comme quand tu l'as pénétré. Comment est-ce que c'était, mon cher ami? Mon cher ami a eu du goût. Hein? Sa fille me supplie d'être son père. Elle continue à me supplier d'être son père. Oh. Et même à l'heure où je te parle, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle m'appelle papa. Vraiment? Ouais, non. Regarde. Cette fille est une profiteuse. C'est une profiteuse comme je te l'ai dit, car elle est en train de chercher pour sa maman un très beau garçon. Pour sa maman qui est mentalement instable. Hein? Elle a besoin d'un bon monsieur comme mon frère Uche. Le plus beau du village. Dis-moi, que dois-je faire? Que dois-je faire? Donne-moi un conseil, non? Tu sais que tu es mon ami. Uche, tu dois te reconnaître, où? Tu es un très bon garçon, mon cher ami. Et bientôt, la même. Tu es mon frère et tu vas toucher ces histoires-là. Mon frère, tu dois comprendre. Elle te court après. Elle te court après. Uchesco. Maman, je veux comprendre quelque chose.
Qu'est-ce qui est arrivé à Ndendima? Je veux dire, qui l'a mise enceinte? Où tu es mon fils? Le cas de Ndendima. L'histoire de Ndendima est pathétique. Sincèrement, c'est un homme. Un homme qu'elle a profondément aimé. Ha! Ma fille était tellement traumatisée et ce traumatisme a remporté sur elle. Hey, oh. Ah, Uche, tu viens de tourner le couteau dans cette plaie. C'est un sujet qui tourmente ma vie. Tout le monde était certain que ma fille allait succomber. Même moi qui suis en train de te parler, j'avais perdu tout mon espoir sur elle. Elle est passée par beaucoup de docteurs. Il n'y avait pas toujours de solution. J'ai béni Dieu. Oh. C'est par sa grâce que ma fille est encore vivante jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Elle a vraiment traversé beaucoup de choses. Alors où est-elle maintenant? Elle est miracle. Elle sent où? Avec elle, il faut avoir confiance. Elle est allée au champ. Oh, au champ. Elle est allée labourer le champ. Elle en fait 2-3 par jour. Ndendima. Elle peut faire tout un hectare en un jour. Celle-là. Ah, la situation qu'elle a vécue l'a transformée en Jackie. Ah, elle est très forte, je t'ai dit. J'aimerais vraiment les voir. Ah, nous bénissons Dieu. Ne penses-tu pas passer après? Non, je vais attendre un peu. Ouais. Rendons vraiment gloire. C'est ça un peu la situation dans laquelle elle est passée. Nous bénissons juste le Seigneur. Beaucoup de choses. Mimi! Daddy. Mais il est mon papa, oncle, n'est-ce pas? Je suis son papa, non. Comment vas-tu? Je vais bien. Mimi, ma fille. Ndendima, comment tu vas? Madame, bienvenue. Merci. Merci. Maman, tu ne salues pas mon papa? Bienvenue. Merci. Bienvenue. Oui, bienvenue. Bon. Il t'a entendu. Bienvenue. C'est bon. Je vais à l'intérieur m'échanger. Ok, vas-y. Ne te déplace pas. Non, oh. Je suis là, je suis avec grand-maman. Ok, hein? Ne pars pas. Il ne va aller nulle part. Il y a la nourriture sur la table, dans la cuisine. Prends le temps de manger, il est là, il ne part pas, il t'attend. Je suis avec grand-maman, hein. Je reviens, oh. Je suis là. Il est là. Rassure-toi de bien manger, ouais, oh. Ouais. Ah, Dieu soit loué, oh. Non, Biako, c'est quoi ce que tu veux faire? Donne-moi mon argent dans le calme. Ne me pousse pas à créer une scène. Pourquoi tu me tues dessus comme ça même? Laisse-moi jusqu'à demain soir. Comme ça, je viendrai pour tout te payer, ok? Tu parles de demain? Hein? Tu dis que tu vas payer demain? Je suis ton client. Je dois t'attendre jusqu'à demain pour que tu viennes me donner l'argent des choses que tu as consommées aujourd'hui. Allez, donne-moi mon argent! Es-tu normal? Hein? Oh, remets-moi mon argent! Jésus! C'est quelle bêtise, ça? Ne me pousse pas à bout, oh. C'est toi qui es fou! T'es malade? Hein? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Hey! Tu n'as pas de problème. Hein? Remets-moi mon argent, oh. J'ai dit demain, quand je vais revenir, tu auras ton argent. Je ne te laisserai pas partir d'ici. Demain soir, j'ai dit. Hein? Yara. Tu t'en vas? Où est mon argent? Caro? Caro, tu es menacée. Caro, tu es fini, oh. Tu es par terre. Caro? Oh, quand tu t'en vas? Viens me donner mon argent, oh. Papa, j'ai vu Ndendima aujourd'hui. De quel Ndendima es-tu en train de parler? Ndendima, mon ex, bien sûr, papa. Oui. Je l'ai vu avec un enfant qu'il appelait maman. Oui. Papa, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas?
quelque chose comme quoi. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. En quoi est-ce que le fait pour toi de voir Medima avec une fille qu'il appelle maman me concerne? Papa, sérieusement, je sens juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au fond, je sais que je lui ai donné l'argent pour l'avortement, oui. Et là, je vois une petite fille qu'il appelait maman. Écoute-moi, je suis en train de me relaxer. Alors ne me dérange pas, je t'en prie. Peux-tu me faire une faveur, papa? De quelle faveur parles-tu là? Peux-tu me suivre à la maison de Nedima? Je dois confirmer si cet enfant est à moi. Mélodie, je ne suis pas concerné par cette merde. Papa, s'il te plaît, c'est très important pour moi. C'est important pour toi, mais je viens de te le dire. Laisse-moi en dehors de ça. Toc, toc. Oh, tu me tombes tout, Mélodie. Maman, bon après-midi. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Mère de mère. Nous n'avons plus rien à faire avec toi. On n'a pas besoin de ta présence ici. Tourne-toi. Maintenant, pars. Ah, maman, pourquoi? Hein? Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et c'est pourquoi je suis venu. Ok? Je suis là pour me renseigner. À propos de quoi? Hein? Maman, je suis venu me renseigner à propos de mon enfant. Et Nedima, bien sûr. Hein? Comment se porte-t-elle? Comment va tout le monde? Je suis venue chercher Nedima. Nedima est mon enfant. Ok. Les Nedima que je connais. Ton enfant, de quel enfant parles-tu? Tu ne sors je ne sais d'où pour venir raconter des histoires. Hein? Et quoi c'est fou? Maman. Grand-mère! Disparaît de ma présence! Grand-mère! Hein? Grand-mère! Qui est-il? T'inquiète pas pour lui, ce n'est rien. Bonsoir, monsieur. Oui. Comment vas-tu? Je vais bien. Papa, viens t'asseoir. Oh, bien sûr. Pars de chez moi. Mélodie, pars de chez moi. Allez, quitte. C'est ça le portail. Et t'ai dit de partir. Mais l'enfant parlait de papa. Je vais te bousculer, Mélodie. C'est lui le papa. Pars maintenant. Qui est ton papa? Ah, c'est ça. Tu as le courage de poser une question? Hein?
N'attends-tu pas ce que je t'ai dit, Mélodie? Arrête et réfléchis. Arrête et réfléchis. Non, quitte. Arrête et réfléchis. 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 Il faut arrêter pour réfléchir. Arrête. Mélodie est un fou. Il est stupide. Mélodie est un fou. Il est fou. Arrête et réfléchis. Mélodie est un fou. Arrête et réfléchis. Arrête et réfléchis. Arrête et réfléchis. Jaya, Jaya. Arrête et réfléchis. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrête et réfléchis. Arrête et réfléchis. Jaya. Je me demande ce que c'est. Réfléchis. Réfléchis. Au fait, le problème est que je suis venu me renseigner. Arrête, réfléchis. Réfléchis. Mélodie est un fou. Il est fou. Oui. Réfléchis. Arrête et réfléchis. Est-ce que Mélodie, Mélodie est un fou. Réfléchis. Réfléchis. Attends. Réfléchis. Réfléchis. Ne me pousse pas, t'es bousculé. Arrête, réfléchis. Pars. 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 Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Elle veut dire quoi? Il voulait te réfléchir. Reviens, non? Reviens, tu fuis pourquoi? Reviens! C'est ça. Arrête, réfléchis, arrête, réfléchis. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Calme-toi, ma chérie. Mélodie, Mélodie, t'es fou. Il est fou. Mélodie, t'es fou. Il est fou. Mélodie, t'es fou. C'est un homme fou, celui-là. Je crois qu'il ne sera plus maître de ce qui est encore ici. Mélodie, t'es fou. Arrête, réfléchis. Arrête, réfléchis. Arrête.